Bonjour, madame, messieurs, et bien. Alors, je reprends. Bonjour, madame, messieurs, et bienvenue à cette partie des Lions de Saint-Laurent qui reçoivent la visite du Collège Champlain de Lennoxville, les Cougars, en ce 14 octobre 2023. Les Lions qui ont une fiche présentement de 5 victoires, 2 défaites, qui se retrouvent présentement deuxième au classement général, qui affronteront justement le Cougar du Collège Lennoxville. Avec une fiche de 4 victoires, 2 défaites, se retrouvera sixième au classement. La confrontation des gardiens de but ce soir pour Lennoxville. Le numéro 30, Émile Pagé, gardien de but de 18 ans, 6 pieds, 152 livres, provenant de Dolbeau-Mistassini, produit des élites de Jonquière, avec une fiche présentement de, en 5 parties, une moyenne de 3.0. Un pourcentage de 894 et une fiche de 3 victoires, 2 défaites. Son opposant pour les Lions, ce sera le numéro 31 ce soir, cet après-midi, Thomas Laferrière. En 3 parties, une moyenne de 2.67, une fiche de 800, un pourcentage de 822 et une fiche de 1 victoire, 1 défaite. L'alignement de départ. Pour Lennoxville. Le numéro 13, Victor Lanoux. Le numéro 14, Émile Plouf. Le numéro 17, Adam Véro. Le numéro 21, Benjamin Clément. Et le numéro 25, Élie Dion pour vos Lions. À la défense, le numéro 5. Alors, je reprends. À la défense, le numéro 5, Cédric Hébert. Le numéro 20, Jérémy Couture. Le numéro 2, à l'attaque, le capitaine William Quentin Bolduc. Le numéro 24, Mathis Croteau. Et le numéro 25, Mathis Lapointe. Les officiels de la rencontre pour aujourd'hui seront... Les juges de ligne seront messieurs Guillaume Ouellette et Julien Lapointe. Et les officiels en charge seront Émile Leblanc et Jean-François Morin. On vous laisse pour l'hymne national et on vous revient. Alors.
Alors, les deux équipes qui vont se préparer. Alors, les deux équipes qui vont se préparer pour partir cette rencontre. Première partie de la fin de semaine, en fait, la seule partie pour les Lions, car ils affronteront dans une partie hors concours le collège universitaire des deux. Alors, c'est parti, mesdames, messieurs. Bonne partie. La pointe vient de frapper solidement ses adversaires, le numéro 14, Émile Plouf. Alors, Bolduc qui tente une passe, c'est raté. Et voilà, Lennoxville qui tente une passe, c'était le numéro 13, Lanou. Et la passe est ratée, alors ce sera un dégagement qui sera refusé. Alors, désolé de cette interruption, on a un problème de micro. Alors, tout est réparé, nous sommes de retour. Alors, une passe tentée par Lennoxville et ce sera un dégagement refusé. Alors, nous allons reprendre. Delisle qui va affronter le numéro 23. Mitchell Amiago. Lancé. Effectué. Par les Lions. Alors, Mongeon qui renvoie vers en arrière. Récupéré par Lennoxville. Mongeon qui repart en zone neutre vers Samson. Samson qui revient sur ses pas vers Mongeon. En entrée de zone. Mongeon, une passe à Delisle. Delisle lance. Arrêt facile du gardien de but de Lennoxville qui immobilise le jeu. Alors, nous allons reprendre. Alors, on va sortir Nicolas Jean de la mise en jeu. Ce sera Méthode qui va le remplacer. Alors, Méthode tente une passe vers Hébert, c'est raté, c'est intercepté par Dalpé. Pardon. Et on tente une passe et ça va se rendre au gardien but Laferrière qui immobilise cette rondelle. Alors aujourd'hui, je suis tout seul. Mon partner m'a abandonné pour la journée. En fait, engagement personnel, je serai tout seul aujourd'hui. Alors, on va faire son gros possible. Croteau, la mise en jeu, qui affrontera le numéro 10, Joshua Pelletier. Alors,
changement, ce sera Dalpé qui a affronté le numéro 24, Mathis Croteau. Alors, Bello. Bello renvoie vers son coéquipier, intercepté. C'est le numéro 7, Victor Dalpé, qui envoie vers son coéquipier, qui est frappé par Jérémy Couture. Chabot envoie vers Hébert. Hébert va en arrière de son but. Toujours avec le disque. Au centre, laisse vers Croteau. Croteau lance à côté du but. Chabot qui récupère, qui laisse à Vézina. Vézina lance, lancé, arrêté par le gardien de but. Pagé. Et il y aura un 2 minutes pour avoir fait trébucher à Mathis Croteau. Alors, premier avantage numérique pour Lennoxville. Picard gagne la mise en jeu vers Dion. Dion contrôle le disque vers McKelvey. Jean qui tente de récupérer. C'est récupéré par Lennoxville. Toujours en contrôle. On tente une passe en avant du but. C'est raté. Dion. Avec le disque, Dion renvoie en arrière. O'Connell tente un dégagement. C'est réussi. Un rebond sur la baie vitrée et la rondelle sort. Alors, Dion qui récupère. Dion tente une passe. Récupéré par Méthode. Tente une passe vers son coup de pied. Méthode, elle va à la seconde! Alors, mauvais jeu de Lennoxville. Tente une sortie de zone. On échappe la rondelle. Méthode alerte sur le moment. Récupère la rondelle. Envoie vers Mongeon. Que Mongeon retourne vers Méthode. Et un but de toute beauté. Tout seul en avant de Émile Pagé. Alors, là, vraiment, on doit faire un changement de gardien de but. Car le Pagé est allé au banc sans la permission des officiels. Alors, le règlement oblige un changement de gardien de but. 4-1, il est lancé. 16 minutes 17. But en désavantage numérique. Là, je crois, en fin de compte, c'est Pagé qui s'est blessé. Alors, on doit embarquer le deuxième gardien de but. Je vais vous donner ses fiches un petit peu plus tard. Alors, c'est le numéro 6, Laroche, qui envoie vers Tremblay. Laroche, toujours avec la rondelle, vers son coéquipier, le numéro 12, Sirois. Pardon, c'est le numéro 13, Lanoux. Mongeon, tentative de passe, c'est raté. Tremblay à Lanoux, lancé, bel arrêt de la Ferrière. Alors, Hébert tente une sortie de zone interceptée par le numéro 16, McKelvey. Sirois. T'as une passe du côté des Lions. On dirait que la rondelle va sortir, mais de mon angle et de l'angle de l'arbitre, je ne crois pas. Et lance, et c'est le but. Lancé bas du côté du bloqueur. La Ferrière n'a pu maîtriser ce lancer. Alors, ce sera un but en avantage numérique pour Lennoxville. Alors, nous allons reprendre 1-1. 4-3 les lancers.
Vézina qui en va vers O'Connell. Bello qui dévie dans le territoire des Cougars. Croteau qui laisse à son coéquipier Chabot qui renvoie vers Bello. Bello lance sa touche. Un joueur de Lennoxville et ça dévie en arrière du but. Alors Chabot tente de déborder. Bello qui récupère. Bello tente une passe. C'est manqué. Croteau premier sur le disque vers Chabot et la passe n'a pu être captée. Vézina qui récupère dans sa zone. Vézina vers O'Connell. O'Connell ne récupère pas la rondelle. Norwell tente une passe. Mise en échec dangereux à avoir donné du genou. Benjamin Chabot qui reçoit cette mise en échec. C'était le numéro 22. Vincent Granger. Alors, les arbitres se consultent. Ça sera pas fait trébucher. Premier power play de la journée pour les Lions. Delisle à la mise en jeu. Delisle gagne la mise en jeu, mais c'est récupéré par Lennoxville. Sirois sera premier sur la rondelle à dépasser Mongeon. Mongeon qui se bat pour récupérer. Alors Beauchemin qui vient l'aider et récupère la rondelle. Mongeon prend de la vitesse. Mongeon à la ligne bleue. Pardon, c'est pas Mongeon, c'est Beauchemin, désolé. Qui a été mis en échec et Lennoxville récupère, dégage la rondelle. Cette fois-ci, c'est Mongeon avec la rondelle. Mongeon laisse vers Bello. Belle intervention de McKelvey qui contrôle la rondelle, gagne de précieuses secondes, contrôle le disque, retourne vers lui, il fait ce qu'il veut avec la rondelle vraiment. McKelvey retourne vers son coéquipier, le numéro 8, Mathis Tremblay. Et on dégage la rondelle. Alors, Mongeon qui récupère. Il en a son but, attend que les changements soient effectués, il regarde les options, il laisse à son coéquipier Vézina. Vézina avec la rondelle à la ligne bleue. Envoie en arrière du gardien de but. La pointe qui tentait de récupérer met en échec le numéro 28, Nicolas Roberge. Vézina lance à côté du but. La pointe va à Vézina. Vézina tente un lancer bloqué en avant du but. Croteau avec la rondelle. Croteau qui s'est fait frapper. Dumont fait trucher un adversaire, mais il n'y aura pas de sanction. Samson vers Vézina. Vézina tente une passe vers Dumont, mais c'est raté. Alors, contre-attaque de Granger. Pardon, de Clément. Clément lance. Arrêt facile pour la Ferrière. 4 à 4 est lancé. 12 minutes 23. Alors, il reste 12 minutes 23 à faire. 4-4 les lancés. Bon, une bonne partie qui est commencée. Là, les deux équipes qui semblent être à peu près au même niveau là, en début de partie. Lennoxville qui patine très bien avec une bonne vitesse. Alors, les Lions vont devoir s'adapter à ça. Je crois que les Lions aussi ont une assez bonne vitesse pour faire le tout. Alors, méthode qui est frappée par le numéro 6. Thierry Laroche. Alors, Tremblay qui renvoie vers Laroche, qui retourne vers Tremblay. Tente une passe vers son coéquipier Dalpé, qui envoie dans la zone Granger, qui récupère. Granger lance, arrêt de la Ferrière. Alors, c'est Desbiens. Desbiens sort la rondelle de la zone, envoie en arrière du gardien de but. Daniel Semenyuk. Alors, Vézina qui est frappé solidement par McKelvey. McKelvey avec le disque.
tentait une passe, mais interceptée par Chabot. Chabot qui est retenu par un adversaire, Hébert, vers Vézina, à Delisle qui dévie dans la zone de Lennoxville. Bello vers Chabot. Alors, Lennoxville qui récupère, c'est le numéro 11. William Picard qui se bat avec Delisle Chabot. Et on a son coéquipier, le numéro 25, Élie Dion, qui est venu l'aider. Vézina renvoie. Lance, mais il y a dégagement refusé. Présentement, pas dégagement refusé, mais hors jeu. Alors, le lancer ne compte pas. Alors, Hébert vers Vézina à Beauchemin. Beauchemin à la pointe qui tente un lancer, c'est raté. Beauchemin en arrière du but envoie vers son coéquipier Mongeon. Mongeon renvoie vers Croteau. Croteau à la pointe. Mathis Lapointe à Samson à Mongeon. Lance à côté du but. C'est récupéré par Lennoxville. Mais Mongeon qui intercepte là, avec sa rapidité a réussi à intercepter, qui ramène le jeu en arrière du territoire. Du gardien de but, pardon. Alors, Croteau qui tentait une interception. C'est récupéré. 3 contre 2 présentement pour Lennoxville. Mais Lapointe fait un beau retour et récupère la rondelle. Lapointe remet vers Dumont. Dumont peut capter la rondelle et ce sera un dégagement refusé pour les Lions. Alors, nous devons ramener les joueurs sur la glace. Alors, Samson avec Croteau. Lapointe tente une passe interceptée. Tremblay à la ligne bleue. Lance, arrêt de la Ferrière. Deuxième lancé. Deux lancés coup sur coup. Une fois de Tremblay et une fois de Granger qui était en avant du but. La Ferrière a dû être alerte sur ce jeu. Alors, Mongeon qui récupère. Laisse à Samson. Samson. Prendre la vitesse vers Dumont, vers Desbien. Et c'est récupéré par Lennoxville. Dumont, maintenant qui récupère à Jean. Couture tente une passe vers Samson qui envoie en arrière du gardien de but. Alors, Tremblay avec la rondelle, poursuivi par Desbien. O'Connell qui récupère la ligne bleue. Frappé seulement par Picard, mais réussi à renvoyer en arrière du but de Lennoxville. Il n'y a pas beaucoup d'espace sur la glace présentement. Alors, les deux équipes ont peu de temps pour exécuter leur jeu, alors on doit être alerte des deux côtés. Bello passe vers Méthode. Bello. Avec Landel, lance à côté du but. Couture qui récupère. Couture renvoie en arrière. Chabot vers Bello. Qui est frappé. Oh, Chabot qui est frappé solidement par McElvey. Mais O'Connell qui lance et à côté du but. Et c'est le gardien de but. Simeluk, qui est Daniel Simeluk qui doit arrêter. Alors, Simeluk n'a pas de grosses statistiques car je crois que c'est sa deuxième partie seulement. Alors, un pourcentage de 8,94. Vraiment, deuxième partie pour ce gardien de but. Je vais vous donner sa fiche dans quelques instants. Alors, pour le gardien, Daniel Simeluk, un gardien de but de 18 ans. À sa première partie présentement avec une fiche de point, un pourcentage d'arrêt de 0.882. Alors, Bolduc qui récupère, envoie vers Chabot.
Chabot retourne dans sa propre zone. Bolduc vers Bello. Tente une passe vers Delil qui rate, mais Chabot récupère. Chabot renvoie en arrière du gardien de but. Lancé. En fait, Lennoxville tente un dégagement et ça touche le filet. Alors, il n'y aura pas de changement permis pour l'équipe des Cougars. Alors, on reprend dans la zone de Lennoxville. Croteau gagne la mise en jeu. Mongeon tente un lancer. Ça touche au bâton de Lanoux. Croteau vers Mongeon. Mongeon contrôle le 10 et relaisse à Croteau. Croteau déborde le défenseur. Lance arrêt du grand gardien de but de Lennoxville. Et les Cougars dégagent la rondelle. Et là, je regarde au banc là, le gardien de but Pagé qui est revenu s'asseoir au banc. Là, mais je crois qu'il ne reviendra pas dans la partie. Je crois qu'il est juste là en cas d'urgence. Qui semblait blessé à la jambe. Alors, mise en jeu. Gagné par les Lions. Lancé. C'était à côté du but, mais touché par le gardien de but de Lennoxville. Samson intercepte la passe. Et Beauchemin sera premier sur la rondelle. Bravement. Roberge récupère la ligne bleue. Tente un lancer. Arrêté par Samson. Samson tente une passe de son coéquipier méthode, mais c'est raté. Alors, Lennoxville contre-attaque. On tourne en arrière du but. C'est le numéro 24. Ryan Cronwall, désolé, je vais l'avoir. Alors, Lennoxville l'arrache vers son coéquipier. Mais intercepté à Dumont à Desbiens. Desbiens tente une passe de retourner la passe vers Dumont. C'est raté. Et là, on récupère tout ça. La pointe lancée contre! Mathis Lapointe qui récupère une rondelle seule. Et met un lancer au but entre les jambières du gardien de but Daniel Simulok. Le cowboy, Mathis de Cowboy Lapointe. Sur le cinquième lancer, effectué 6 minutes à faire à cette première période. Mathis Lapointe vraiment qui est au centre et qui pivote un trio avec Dumont et Desbiens. Tremblay tente un entrée zone. O'Connell qui arrête l'entrée zone et c'est récupéré par Tremblay. Tremblay c'est intercepté par Lapointe. Dumont qui renvoie dans le fond du territoire et les Lions complètent le changement. Alors, Vézina, attention à la rondelle qui sort présentement. La caméraman a failli recevoir la rondelle. Elle a été très alerte. Alors, nous allons récupérer. Nous allons reprendre dans la zone neutre des Lilles qui gagne la mise en jeu. Alors, Delil passe vers Hébert à Couture. Couture renvoie dans le territoire. Lennoxville qui dégage et c'est Hébert qui récupère, qui renvoie vers Chabot. Tantin passe vers Delil, c'est raté. Granger qui envoie en arrière du but. Couture qui est frappé par Dalpé. Delil tente un dégagement arrêté par Plouf. Plouf tente un lancer à côté du but. Hébert vers Couture. Bello qui renvoie dans le territoire. Chabot qui poursuit les défenseurs.
Ce sera le numéro 14, Émile Plouffe, qui attend les fins de changement. Les deux équipes qui ont effectué des changements. Alors, Clément tente une passe touchée au vol par Beauchemin. Ça revient à Roberge. Bolduc qui frappe un adversaire, n'a pas de sanction. Je ne crois pas qu'il y en avait effectivement, mais on respecte du côté de Lennoxville. Alors, O'Connell qui va récupérer en arrière de son but. 3 minutes 55 à faire à cette première période. 5-8 les lancers présentement pour Lennoxville. Alors, Lennoxville qui récupère le numéro 28, Nicolas Roberge, jeune homme de 18 ans. Alors, Croto met en échec un joueur de Lennoxville qui était Mathis Tremblay. Samson renvoie vers Jean qui laisse vers la pointe. La pointe récupère, envoie dans le fond du territoire. Mais c'est récupéré par Lennoxville. Samson qui intercepte une passe tentée vers Picard. Jean qui retourne vers Mongeon. Mongeon vers Samson. Samson regarde les options. Ce débat contre deux joueurs, Picard le met en échec, mais une passe réussie. Jean qui renvoie dans le fond du territoire, c'est le numéro 4, Jeff Tremblay qui récupère pour Lennoxville. Tremblay patine présentement avec la rondelle en zone neutre, renvoie en arrière de Vézina qui récupère en arrière. Alors Lennoxville toujours avec les disques, Bello qui réussit à soutirer la rondelle. Alors Lennoxville récupère. Beau jeu de Dumont qui réussit à enlever. Cronwall avec la rondelle. Cronwall laisse à son coéquipier Clément. Benjamin Clément. Et voilà. La Roche qui touche la rondelle. Il y aura un arrêt de jeu pour avoir touché la rondelle plus haut que la hauteur permise. Alors, Lennoxville qui récupère la rondelle. Couture qui intercepte. Couture envoie dans le fond du territoire de Lennoxville. Beauchemin tentait de récupérer. Lennoxville garde le contrôle de la rondelle. Dion avec deux joueurs des Lions qui réussit une passe vers Clément. Clément tentait une passe en avant du but. Intercepté. Ça retourne vers Plouffe. Plouffe lance à côté du but. On tentait une déviation de Cronwall, apparemment, qui n'a pas réussi. Et le jeu retourne dans la zone des Cougars. Alors, on relance la rondelle du côté de Lennoxville. C'est Plouffe. Plouffe sort la rondelle, récupérée par alors Dalpé tout seul avant de la Ferrière. Lance, bel arrêt de la Ferrière. Qui a été alerte là-dessus, là. Très alerte, bel arrêt. Alors, Dalpé qui renvoie dans la zone dans la minute à jouer à cette première période. Hébert en arrière de son but. On met beaucoup de pression du côté des Cougars sur les défenseurs des Lions. On doit être rapide pour relancer le jeu. Desbiens mis en échec en même temps qu'il faisait une passe vers Croto. Et on arrête le jeu pour une passe avec la main. Du côté des Cougars. Alors, comme je disais il y a quelques instants, là, les Knoxville sont rapides et mettent beaucoup de pression sur les Lions. Mais on s'en sort très bien du côté des Lions. Là, on a une très bonne partie. Là, probablement 5-9 les lancers. Alors, il reste 35 secondes à faire à la première période. 2-1
pour les Lions. 5-9 les lancés. Alors, Lennoxville tente une passe et ce sera un dégagement qui sera accepté en fait compte car on a gagné la bataille aux oreilles. Alors, Lenou avec Nicolas Jean. Jean qui récupère, tentait une sortie de zone interceptée par Beauchemin. En fait, ça a frappé Beauchemin. Alors, on renvoie dans le territoire. 5 secondes à faire à la période. Beauchemin qui prend son temps, renvoie en zone neutre. Et c'est là-dessus que la période se terminera. Avec une avance de 1 but pour les Lions. Alors, je vous reviens avec le résumé dans quelques instants. Alors, le résumé de cette première période. Désolé, l'Internet est très lent aujourd'hui, alors on a de la misère à voir le tout. En fait, on va vous revenir dans une quinzaine de minutes. Je vais avoir les infos plus complet et je vous reviens avec le tout.
Alors, re-bienvenue. On se prépare, il reste 2 minutes 33 avant le début de la deuxième période. Alors, petit résumé. Premièrement, les Lions qui mènent 2 à 1 avec une fiche de 5 lancés contre 9 pour Lennoxville. 0 en 1 en avantage numérique pour les Lions et 1 en 1 pour les Cougars de Lennoxville. Les marqueurs à 3 minutes 43. Alexandre Méthot, son deuxième de la saison, assisté de Henri Desbiens et Justin Mongeon. À 4 minutes 42 en avantage numérique. D'ailleurs, le but d'Alexandre Méthot était en désavantage numérique. Quelques temps après, à 4 minutes 42, Vincent Gagné, son deuxième de la saison, assisté de William Picard et Thierry Laroche. Et à 14 minutes de la première période, les Lions qui inscrivent un but. Mathis Lapointe, son premier de la saison, assisté de Jacob Dumont et Henri Desbiens. Alors, belle rencontre à date. Là, les défenseurs doivent être rapides des deux équipes là, pour réussir à se démarquer. Ailleurs dans la Ligue, présentement, le Dynamique de Sainte-Foy est en visite à Rouyn-Noranda pour affronter les Gaillards du Cégep de l'Abitibi et Témiscamingue. Le Dynamique qui mène présentement 3 à 1. Et nous avons une partie qui commencera plus tard à 19h30 qui va au complexe Branchaud-Brière de l'Outaouais, à Gatineau. Les Rebelles qui affronteront le Griffon du Cégep de l'Outaouais. Alors, on se prépare pour recommencer la deuxième période. Nous allons commencer sur la glace avec le trio de Mathis Lapointe contre le trio du numéro 21, Benjamin Clément. Bonne deuxième période, mesdames, messieurs. Tremblay. Puis avoir à son coéquipier. On envoie dans le territoire des Lions. Vézina, premier à la rondelle, qui tente une passe. Ça s'en va vers Lapointe qui échappe la rondelle. Lapointe tente de récupérer. Bolduc tente une passe vers Desbiens. C'est raté. Et Tremblay de Knoxville envoie dans le fond du territoire. Lapointe tentait de déjoindre l'adversaire par la rondelle. Lanoux avec la rondelle. Une passe en avant et Laferrière qui arrête la rondelle. Il y aura eu deux lancers là-dessus. Laferrière a dû être alerte car Lapointe a perdu la rondelle. Et nous avons pris deux lancers coup sur coup sur le grand goaler Thomas Laferrière. Alors, nous allons reprendre du côté gauche de Thomas Laferrière. Croteau a mis en jeu contre le numéro 11, William Picard. Alors, Samson qui récupère la rondelle. Samson vers Méthot, c'est récupéré par Lennoxville. Picard renvoie à Christophe McKelvey. Méthot tente de dégager la rondelle, c'est manqué. Croteau qui vient de l'aider. Vers Samson qui retourne à Croteau. Croteau à Chabot. Chabot à Samson. À Chabot. Tente une passe vers Méthot. Chabot à Méthot. Méthot tente de lancer et ça touche un adversaire en début. Ça dévie en arrière. Alors, nous allons reprendre du côté droit du gardien but de Lennoxville. Delisle gagne la mise en jeu. C'est Tremblay qui récupère en arrière de son but. Tente une passe interceptée par Beauchemin. Beauchemin qui laissait à Delisle vers Couture qui lance et c'est un arrêt pour le gardien de but Semenyuk.
Alors, les Lions gagnent la mise en jeu, récupérée par Lennoxville. Va assez trembler. Il va se voir son coéquipier, le numéro 10. Que je vais essayer d'aller vous chercher les informations, car le numéro 10, moi, de mon côté, je n'ai pas le même joueur que j'ai sur la glace, là, présentement. Alors, Joshua Lecas-Peltier. Alors, Croteau prend de la vitesse. Croteau prend la vitesse en entrée de zone, échappe la rondelle et on dégage du côté de Lennoxville. Et ce sera un dégagement qui est accepté. Bolduc qui envoie à Dumont. Dumont passe vers Bello. Et la passe était trop vive. Bello ne l'attendait pas. Et ce sera un dégagement qui sera refusé au Lion. Alors, mise en jeu du côté gauche de Thomas Laferrière. Croteau à la mise en jeu. Croteau gagne la mise en jeu. Hébert vers Bolduc. Vers Bello qui dévie en zone neutre. Cronwall avec Bolduc. Bolduc vers Bello qui envoie à Hébert. Hébert envoie en arrière du gardien de but. Alors, on tentait une sortie de zone et je crois qu'il y a une passe avec la main, ce que je comprends. Alors, nous allons reprendre du côté droit de Daniel Semenyuk. Pardon, j'ai vraiment de la misère à dire son nom, Semenyuk. La pointe à la mise en jeu. Contre Benjamin Clément. Vizna lance sa touche Clément en avant du but et ça dévie dans les estrades. Alors, nous allons reprendre à la même place Mathis Lapointe contre Benjamin Clément. Lapointe gagne la mise en jeu. Lapointe tout seul en avant du gardien de but. Lance arrêté. Desbiens qui se bat pour récupérer la rondelle. Alors, Picard qui renvoie vers Dion. O'Connell qui tente une interception, c'est réussi. O'Connell à la pointe, la voie de la seconde! Très beau travail de O'Connell qui est venu porter appui à l'attaque. Un bon appui et sort avec la rondelle. Mathis Lapointe voit les options, rentre dans le centre de la zone. Reçoit la passe et un très bon lancer du côté du bloqueur. Le deuxième but pour le Cowboy, Mathis Lapointe. Alors, 3-1, 16 minutes 35 à faire, 8-11 les lancers. Nicolas Jean affrontera le numéro 11, William Picard, un choix de deuxième, 12e tour de Blainville-Boisbriand en 2021. Joueur de 6 et 1, 172 livres. Alors, un arrêt de jeu. Je crois qu'il y avait un hors-jeu en entrée de zone pour les Lions. Nicolas Jean. Contre William Picard. Picard gagne la mise en jeu. Récupéré par les Lions. Samson. Samson envoie en arrière du but. Alors, les Cougars tentent un dégagement. Laroche. Laroche lance. Ça touche son coéquipier. En avant du but, McCurley a lancé sur la Ferrière, Laroche. Deuxième lancé, troisième lancé.
coup sur coup. Alors, trois lancers dangereux présentement. La Ferrière a été très alerte. Il ne voyait pas le disque. Alors, une passe avec la main là, présentement pour contre Lennoxville. Alors, nous allons reprendre à l'extérieur de la zone. Alors, la Ferrière a été excellent là-dessus. Trois lancers, là, dont deux très dangereux en avant de lui. Alors, là-dessus, nous sommes rendus à 14 lancés pour Lennoxville. Alors, les changements n'étaient pas complets du côté des Lions. Alors, on a mis la mise en jeu trop rapidement. Nous allons reprendre. On vérifie que le temps est correct. Alors, on reprend. Trotteau gagne la mise en jeu. Couture vers Hébert. Hébert renvoie dans le fond du territoire. Couture tente un lancer. Ça touche Crotteau. Crotteau vers Beauchemin qui ne peut récupérer cette passe. Hébert en zone neutre envoie derrière le gardien du but. Ça fait frapper mais trembler. C'est plus Tremblay qui a reçu la mise en échec que Hébert au bout de la ligne. Alors, lancé de Lennoxville sur le gardien de but, La Ferrière. C'était le numéro 21 de Lennoxville. Dumont à Beauchemin qui envoie en arrière des défenseurs. Couture avec une bonne vitesse, récupère. Couture passe vers Dumont. Arrêt de Siminuk. Bolduc vers Crotteau qui tentait d'envoyer en arrière, mais c'est raté. Et Lennoxville qui envoie dans le fond territoire, on effectue les changements. Vizina tentait une passe, ça touche Delisle, ça y revient. Delisle, Blondel, passe vers Deloge. Deloge envoie dans le fond du territoire. Deloge qui récupère à Delisle, à Bolduc. Bolduc lance arrêt. Ouais. Deloge qui met en échec Plouf. Dion. 14 minutes à faire. Dion en arrière de son but. Cromwell qui envoie dans le territoire des Lions. Vizina tente une sortie de zone. Ça touche l'officiel. Bolduc qui met en échec. Lennoxville qui récupère la rondelle. Une passe en avant du but. Bello qui récupère. Delisle met la rondelle en zone neutre. Et c'est Cronwall, tentative de passe, intercepté par Delisle qui envoie dans le fond du territoire. Des biens. Tentative de passe, mais il n'y avait personne de son équipe pour récupérer. Mongeon qui arrête l'avancement de Lennoxville. Mongeon vers O'Connell. O'Connell envoie en arrière du but de Lennoxville. La pointe. Tente de récupérer, c'est manqué. Des biens. Bataille pour récupérer rondelle. Et Lennoxville tente une sortie de zone. Véreno avec la rondelle. Véreno tente une passe interceptée en avant du but par Mongeon qui a été alerte là-dessus. La pointe qui bataille avec un joueur des Cougars. La pointe vers O'Connell. O'Connell tout seul prend une bonne décision, envoie en arrière du gardien de but et on effectue les changements du côté de Saint-Laurent. Alors, c'est le numéro 8, Tremblay. Avec la rondelle, laisse vers son coéquipier Picard. Chabot qui intercepte en zone neutre et renvoie en arrière dans le fond de la zone. Alors, Crotteau. On s'échange la rondelle des deux côtés. Alors, Lennoxville qui récupère et effectue une sortie de zone. McEnville qui tente de récupérer. Alors, ce sera un dégagement, un hors-jeu. Et la rondelle sort en même temps de la surface.
On nous en reprend dans la zone neutre. Les changements sont effectués du côté de... Beau chemin à la mise en jeu. Alors, ça se tenait du côté de Bello. Et c'est vrai, on tentait de prendre avantage à la mise en jeu. Alors, c'est Roy Bello qui se parle à la mise en jeu. Là, vraiment, on tente de prendre tous les espaces possibles dans cette rencontre. Couture vers Bello. Ça touche le mur. Alors, on considère que c'est une sortie, que la rondelle a sorti de la surface glacée. Alors, mise en jeu, gagnée par les Lions. Hébert vers Dumont. Dumont ne peut récupérer. Hébert revient l'aider. Dumont tente une sortie de zone, aidé par Beauchemin. C'est rendu en zone neutre. Beauchemin qui frappe un adversaire tout en récupérant la rondelle. Hébert à Couture. Couture envoie sur le gardien de but. Dumont. Tentait une passe, mais ça retourne en arrière dans son territoire. Dumont à Beauchemin qui dévie vers le gardien de but de Lennoxville. Alors Tremblay qui va vers son coéquipier. On dévie. C'était Dalpé qui dévie dans la zone des Lions. Bolduc qui récupère. Bolduc à O'Connell. O'Connell à la pointe. La pointe à la vitesse. Regarde. Tente une passe vers Desbiens. Beau jeu de Tremblay. La pointe. À Desbiens. Desbiens regarde, tente de contourner le défenseur Laroche. C'est manqué. O'Connell avec le disque. O'Connell en fond de territoire. Bolduc qui retourne vers la pointe. La pointe est par la rondelle. Bolduc qui tentait de récupérer. Alors ce sera un 2 contre 1. Mais Vézina fait une belle intervention qui sauve. Alors tout seul avant du but. Un beau lancer. On a oublié un joueur de Lennoxville. C'était le numéro 22, Vincent Granger. Et là, il y a une pénalité au Lyon. Appelé aussitôt qu'on touche la rondelle. Et là, on discute. Là, il y a comme eu un contact par après. Là, là on a Joshua. Joshua Pelletier et Vézina qui s'estinaient. Alexis Vézina. Alors, il y aura une pénalité décernée au capitaine William Quentin Bolduc. Alors, deuxième avantage numérique. Alors, Dion qui remet vers son coéquipier Clément. Pardon, McElvey. Nicolas Jean qui intercepte et envoie dans le fond du territoire. Dion. Dion tente de prendre la vitesse, mais Jean le nuit un peu vraiment et ça force Dion à envoyer dans le fond du territoire. Mongeon. Tenter une sortie de zone aidée par Jean et on envoie dans le territoire de Lennoxville. Dion. Tenter une passe vers son coéquipier, mais ça va vers Mongeon qui réussit à sortir la rondelle. Alors, Bolduc a reçu une pénalité de 2 minutes pour double échec. Croto qui a frappé solidement McElvey.
On n'est pas très content du côté de Lennoxville, là, présentement. Là. Les Lions qui reviennent à leurs habitudes, là, on recommence à frapper, nous, eux aussi. En début de première période, Lennoxville frappait un petit peu plus. Alors maintenant, je crois que les Lions ont décidé d'embarquer dans la danse. Alors, Véronneau avec le disque. Dans son coéquipier, Véronneau vers Tremblay. Tremblay lance, ça touche son coéquipier. Cromwell qui lance, ça va au-dessus du gardien de but. Véronneau à Tremblay. Vers son coéquipier, le numéro 6, Thierry Laroche. Et beau jeu défensif. Desbert ont réussi à dégager 26 secondes à faire à la pénalité. 8 minutes 30. 11-16 les lancés premièrement pour Lennoxville. Alors, Croteau, premier sur la rondelle. On tentait d'étirer quelques secondes. Alors, Lanou. Lanou frappé solidement par Hébert. Pénalité terminée pour les Lions. Alors, Cronwall lance à côté du but. La pointe qui intercepte une passe. La pointe prend de la vitesse. La pointe en entrée de zone. La pointe tente de déjouer les deux défenseurs. Revient sur ses pas. Tente une passe à Cronwall qui était nuit par un adversaire. Et c'est récupéré par les Cougars. Et il y aura hors-jeu. Granger rentre. Dalpé a fait rentrer plus vite que Granger. Et c'est là-dessus que la contre-attaque va se terminer. Alors, nous sommes bien sortis du côté des Lions pour ce désavantage numérique. Là, on a bien travaillé. On était intense. Alors, ça a rapporté. Pas de dommages. La pointe à la mise en jeu contre Clément. Plouf renvoie dans le territoire des Lions. Vizina. Vers O'Connell, mais récupère ça, le disque par lui-même. Plouf. Plouf passe vers Granger et fait rebondir la rondelle du côté, dans le territoire des Lions. Alors, Clément. Clément renvoie vers Roberge. Roberge tente de lancer, ça touche O'Connell. Delisle à Desbiens. Desbiens déjoue le défenseur Plouf. Desbiens tente une passe vers Delisle, c'est raté. Monjon qui intercepte la passe qui empêche une contre-attaque de 2 contre 1. Beau jeu de Monjon. Alors, Plouf tente une passe vers son coéquipier. Alors, apparemment, on s'échange rondelle des deux côtés. Monjon regarde les options, prend son temps. Pas de pression présentement. Seul retourne à Samson qui envoie vers Bello. Bello renvoie dans le territoire. Monjon. Monjon avec le disque. Regarde. Passe vers Bello. À Chabot. Qui est intercepté immédiatement. Alors, on voit que Lennoxville met beaucoup de pression sur les deux meilleurs marqueurs de la Ligue. Jérémy Bello et Benjamin Chabot. Il y a toujours quelqu'un sur ces deux gars. On travaille très bien du côté de Lennoxville pour maîtriser ces deux... Les deux meilleurs scoreurs de la Ligue. Alors, ça, William Picard qui va affronter Justin Beauchemin. À la mise en jeu, gagné par le numéro 9 des Lions, Justin Beauchemin. Beauchemin, joueur de troisième année, renvoie en arrière du but. Dumont. Tente de récupérer. Beauchemin qui met en échec Tremblay. Récupère la rondelle. Beau travail de Justin Beauchemin. Picard tente une passe. C'est intercepté en zone neutre. Et Lio qui renvoie dans le territoire. Lennoxville, 5 minutes 30 à faire à la deuxième période. Alors, Laroche passe vers McElvey.
vers Picard, vers Véronneau. Véronneau lance sa touche. Mongeon en avant du but et ça dévie à côté du but. Alors, Michael V. qui tentait de me passer vers Véronneau, c'est raté. Véronneau qui récupère en zone neutre. Mongeon qui réussit à intercepter. Delisle vers Bello. Bello échappe, ne peut contrôler la rondelle, pardon. Samson à Chabot, à Bello, qui manque la rondelle. Une fois, c'est un 2 contre 1. Véronneau et Lanoux, lancé de Lanoux et arrêté de la Ferrière. 17-11 est lancé. Alors, nous allons reprendre du côté droit de Thomas Laferrière. Alors, mise en jeu gagnée par Lennoxville. La pointe met en échec La Roche. Jean passe vers la pointe. La pointe réussit à récupérer. Tantem passe vers Jean. C'est Lanoux qui récupère. Clément tente un entrée de zone. Arrêté par Hébert. Couture avec le disque. Tente une passe, mais ça touche Croteau. C'était une passe vers la pointe initialement. Il va y avoir un dégagement de Lennoxville qui est refusé. Alors, prochaine rencontre pour les Lions. Demain, partie hors concours contre une équipe d'universitaires D2, les études supérieures. Après ça, nous allons sur la route pour 5 parties. Les Lions qui affronteront les Gaillards de l'Abitibi. Le dimanche 22 octobre, samedi le 28 octobre, qui seront dans un showcase à Sherbrooke, qui affronteront les Rebelles. Alors, entrée de zone, O'Connell prend un lancer. Bel arrêt de Ségonoc. Desbiens avait effectué une superbe passe là, pour O'Connell. Il en manquait pas gros. Alors, ça continue. Showcase, présentement, qui sera à Sherbrooke. On affrontera les Rebelles de Sorel-Tracy, ainsi que le 29 octobre, ils affronteront les Nordiques de Lionel Groulx. Alors, cela sont les prochaines rencontres sur la route pour les Lions. Les Lions qui reviendront à maison à partir du 18 novembre, qui affronteront deux jours consécutifs d'Abitibi. Alors, McElvey, lancé contre. Alors, McElvey qui a récupéré une rondelle en arrière de Mongeon et qui réussit à mettre la rondelle en arrière de Thomas Laferrière. 3-2, 3-26 à faire. McElvey utilise sa vitesse depuis le début de la rencontre. Utilise très bien sa vitesse, frappe très bien. Alors, McElvey a un choix de 8e ronde en 2022 des Saguenay de Chicoutimi, jeune homme natif de Ottawa, qui marque le deuxième but pour Lennoxville. Alors, Mongeon qui frappe solidement, justement, Christophe McElvey. On nous en reprend dans la zone neutre. Joshua Pelletier contre Mathis Croteau. Mongeon qui renvoie en zone neutre et Lennoxville qui renvoie dans le territoire. Samson
à Croteau. Croteau frappé par Granger. On tente un lancer et ça dévie en arrière du gardien but. Thomas Laferrière, ça touche le filet en arrière. Alors, mise en jeu à droite de Thomas Laferrière, Mathis Croteau. À la mise en jeu, il affrontera Joshua Pelletier. Tremblay. Alors, Lennoxville qui tente de récupérer la rondelle. Jérémy Couture qui gagne sa bataille. À Granger lance arrêt de Thomas Laferrière. Un 20e lancé sur le gardien but Thomas Laferrière cet après-midi. 22 les lancés pour les Knoxville. Alors, ce sera William Picard qui affrontera Mathis Lapointe. Mathis Lapointe connaît une très bonne rencontre aujourd'hui, qui apporte de l'énergie à son équipe. 2 buts aussi. Alors, très intéressant pour Mathis Lapointe, qui est à sa 3e partie seulement de la saison. Alors, Hébert tentait d'envoyer dans le territoire, mais qui récupère en zone neutre. Hébert contre 2 contre Tremblay. En bataille pour récupérer le 10 dans le coin. Desbiens qui reçoit un double échec de la part d'un joueur de Knoxville, le numéro 11, William Picard. Couture avec le disque en arrière de son but. Couture échappe la rondelle, mais réussit à récupérer. Couture tente une passe, c'est raté. Et là, Clément, pendant un lancer, il y aura une pénalité décernée à Jérémy Couture. Jérémy Couture était débordé à tenter d'arrêter un joueur, mais il n'y avait pas la rondelle. Alors, sûrement une pénalité pour obstruction là, contre les Lions. Alors, 3e avantage numérique pour les Cougars de Lennoxville. Jean gagne la mise en jeu. Tente de sortir la rondelle. C'est intercepté par Laroche. On renvoie en arrière du but des Lions. Vézina qui réussit un dégagement facilement. Alors, Lennoxville, Tremblay, qui tente une sortie, retourne vers Véronneau. Véronneau avec la rondelle. Véronneau regarde les options. Véronneau en arrière du but des Lions. Retourne vers Laroche. Vers Tremblay, passe ratée. Et c'est Lanoux qui récupère en zone neutre. Dernière minute à jouer dans cette 2e période. Bolduc tente une sortie de zone. C'est Véronneau qui récupère. Laisse vers Tremblay. Tremblay lance à côté du but. Lanoux tentait un lancer. C'est intercepté. Et une sortie réussie par Nicolas Jean. Tremblay qui va tenter une sortie de zone rapide. 33 secondes à faire. 45 secondes à faire à la pénalité à Jérémy Couture. Dion, qui reçoit de la pression de Beauchemin, qui retourne dans sa zone. Dion tente une passe interceptée par Croteau. Croteau dans la zone, laisse vers Samson. Samson lance arrêt de 6 minutes. Le 13e lancé pour les Lions. 12 secondes à faire à la 2e période.
Ah, Croteau prendra la dernière mise en jeu de la période, fort probablement. Croteau perd la mise en jeu contre William Picard. Ah, Dion qui s'en va en arrière son but. Reste 4 secondes. Dion là-dessus, ça va se terminer, laisse à son coéquipier. Et c'est là-dessus que la deuxième période se terminera. Alors, les Lions qui sortent avec un avance encore d'un but. 3-2 pour les Lions. Les lancés, présentement 20 lancés pour Lennoxville et 13 pour Saint-Laurent. Alors, le résumé de deuxième période. À 3 minutes 25, Mathis Lapointe qui va avec son deuxième but de la saison ainsi que son deuxième but de la partie assisté de Cedric O'Connell qui met la marque à 3-1 pour Saint-Laurent. Et à 16 minutes 34, Christophe McElvey, son quatrième de la rencontre, pas de la rencontre, mais son quatrième de la saison, pardon, qui inscrit la marque pour Lennoxville qui fait 3-2. En fait, McElvey qui a réussi à intercepter une rondelle et a débordé le joueur de Saint-Laurent qui était Justin Mongeon et un but qui ramène Lennoxville dans la rencontre. Alors, premièrement, les avantages numériques 1-3 pour les Cougars de Lennoxville et 0-1 pour les Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent. Alors, nous allons prendre une courte pause. Nous allons vous revenir dans 15 minutes.
Alors, nous nous préparons pour la troisième période. Alors, petit résumé ailleurs dans la Ligue. Alors, partie terminée à Rouyn-Noranda. Le dynamique Cégep Sainte-Foy gagne 4-1 contre le Gaillard de l'Abitibi-Témiscamingue. Et de notre côté, le Cégep, les Lions du Cégep Saint-Laurent qui mènent 3-2 contre le Cégep du Collège Champlain-Lennoxville. 3-2. Alors, c'est reparti. Bonne période. Alors, Lennoxville dans la zone. McElvey tente une passe ratée. Trop forte. La pointe tente de dégagement interceptée. Tremblay lance. Arrêté par la Ferrière. Alors, nous allons reprendre du côté gauche de Thomas Laferrière. Pardon, du côté droit, en fait compte. Mathis Lapointe contre William Picard. Alors, c'est gagné par le Knoxville. Vézina tente une passe vers Desbiens. Réussi vers Chabot. Chabot en avant. Là, on tente un lancer passe vers la pointe. Ça a touché un joueur de Lennoxville. Alors, Dion tente un lancer. Touche le bâton de Vézina et ça touche le plafond de l'amphithéâtre. Alors, mise en jeu du côté gauche de la Ferrière. Alors, dégagement accepté. Dumont, premier sur la rondelle. Dumont tente une passe en avant du but. Vermetta tente un lancer. C'est raté. Croteau qui récupère, envoie vers Mongeon. Mongeon à Méthode qui envoie vers Croteau. Passe un petit peu trop forte. Croteau qui envoie vers Mongeon, qui fait rouler vers Mongeon plutôt. Et Lennoxville réussit un dégagement qui sera accepté aussi. Samson à Mongeon. Une passe peu précise vers Méthode et ce sera un dégagement qui sera refusé cette fois. Alors, 21-13 des lancers pour les Knoxville. William Croteau, pardon, Mathis Croteau contre Joshua Pelletier. Dumont avec la rondelle. Il passe à Méthode qui dégage la rondelle dans le territoire de Lennoxville, récupéré par le numéro 28, Nicolas Roberge. Alors, beau chemin vers Bello. C'est récupéré par Lennoxville. C'est Pelletier. Et il y aura hors-jeu. Pelletier a tout tenté pour éviter l'hors-jeu. Il aurait fallu qu'il mesure un bon 2 pieds de plus. Alors, ça sera une mise en jeu en zone neutre. Delisle gagne la mise en jeu. Beau chemin vers Hébert. Couture qui récupère. Couture à Hébert. Hébert vers Beauchemin. Dégagement qui sera accepté car Beauchemin a touché la rondelle. Belle passe de Bello vers Delisle qui n'a pu
contrôler le disque, c'était une chance de marquer. Alors, Lennoxville, lancé par le numéro 23. Mitchell Amiago. Bon lancé. Oh, mais Thomas Laferrière était prêt et a contrôlé ce disque. 17-20 à faire en troisième période. Alors, la pointe par la mise en jeu, c'est Lennoxville tente un lancer au-dessus du but. Alors, Cronwall qui envoie vers l'arrière, c'est Vizina fait rouler, sort la rondelle, Chabot frappé par Amiago. La pointe tente un lancer au-dessus du but. Je crois que ça a touché le bâton d'un adversaire. Plouf! Envoie en arrière des défenseurs des Lions. Lennoxville sont les premiers. Arondel Cronwall lance sa dévie en avant de Laferrière qui a dû se signaler là-dessus. Chabot. Biznak tente une passe vers Desbiens. On se dispute la rondelle présentement. Chabot qui récupère en arrière des défenseurs. Chabot tout seul présentement en entrée de zone. Il perd la rondelle à McElvey. Mongeon vers Samson. Samson qui retourne à Mongeon. Samson vers Desloge. À O'Connell. O'Connell avec le disque. O'Connell lance. Arrêt. Pendant qu'il se faisait frapper en même temps. O'Connell tente une passe. C'est Jean qui a raté son lancer. Samson. O'Connell. O'Connell lance. Oh, c'était peu commode. Il n'y avait pas beaucoup d'angle pour O'Connell qui fait un bon lancer. Et là, on se bouscule un peu là. Mais les arbitres interviennent. Il n'y aura pas de dommage. C'est Menuc qui a dû se signaler là-dessus. Alors, il y aura des pénalités. Ce sera 4 contre 4. Pénalité à O'Connell et Picard, les deux qui auront une pénalité pour rudesse. Les deux se chamaillent en arrière du but. Là. Alors, les arbitres ont décerné chacun 2 minutes pour rudesse. Alors, Bellou qui se fait sortir de la mise en jeu, ce sera Chabot qui le remplacera. Benjamin Chabot, un espoir des Tigres de Victoriaville. Alors, Lennoxville gagne la mise en jeu. C'est Roberge qui renvoie à son coéquipier, Véronneau. Véronneau va trembler. Trembler de lancer. Et c'est Chabot. Chabot en échappé. Chabot arrive devant Gola. Lance. Bel arrêt du gardien de but, Semenoc. Véronneau, le disque. Beau repli de Chabot qui vient intercepter la rondelle. Ça donne un 2 contre 1. Mongeon lance. Un autre arrêt de Semenoc. Alors, belle performance de Benjamin Chabot. Là, un échappé. Et après ça, dû faire un retour, intervient pour empêcher un lancer et donne un 2 contre 1. Mongeon qui prend un lancer et bel arrêt pour le gardien but. Alors, Croteau contre Lanoux. C'est gagné par Lennoxville. Lanoux envoie dans le fond du territoire. Hébert. Il envoie vers Desbiens. Desbiens qui retourne à Hébert. On s'attend à du but. On regarde les options. Il
Alors, Hébert, toujours avec le disque, laisse à Couture. Couture vers Desbiens. Retourne à Hébert. Hébert qui échappe en d'elle, mais Desbiens qui vient l'aider et sauve les meubles. Couture. Essaie de contrôler Rondelle en entrée de zone. Chabrondel s'est repris par McElvey. McElvey attend que les changements se fassent du côté de son équipe. Laisse à son coéquipier, le numéro 21, Granger, qui envoie en arrière du gardien de but. Vézina avec la rondelle. Vézina vers Croteau. 5 secondes à faire aux pénalités mineures doubles pour Rudess. Hébert à Vézina qui envoie vers Métat. Métat retourne vers capitaine William Quentin-Bolduc. O'Connell. Tente de récupérer Clément. Qui récupère O'Connell. Un beau chemin qui enlève la rondelle. Et ça touche un joueur au banc. Des Cougars. Et l'arrêt de jeu est appelé. 13 minutes 27 à faire à cette période. Présentement, 23-17 les lancers pour Lennoxville. Alors, on s'installe du côté droit dans la zone des Cougars. On sort Mathis Lapointe de la mise en jeu. Ça sera Benjamin Chabot qui le remplacera. Alors, Lennoxville tente de dégager la rondelle. Et Thomas Laferrière qui intervient devant Granger pour éviter un lancer. Très beau jeu de Thomas Laferrière là-dessus. Alors, Dalpé et Bolduc qui se chamaillent pour la rondelle. On a du but. Lancé à côté du but, c'était Pelletier. C'était dangereux. Lapointe. Lapointe avec la rondelle. Lapointe tente de rentrer et devancé par Benjamin Chabot. Alors, changement apporté par l'entraîneur Pierre-Cédric Labrie. Nous allons retrouver sur la glace Jérémy Bello, Mathis Croteau et Maverick Delisle. Croteau gagne la mise en jeu. Samson à Mongeon. Mongeon envoie en arrière du but. Bello qui envoie vers Samson qui prend un lancer. Ça touche un adversaire. Et Lennoxville récupère. Dion à Granger. Granger tente une passe vers Dalpé. Et nous effectuons des changements du côté de Lennoxville. Alors Mongeon prend de la vitesse. Mongeon entre dans la zone, frappé, mais réussit à récupérer la rondelle en arrière du but. Croteau par la rondelle, c'est récupéré par Dalpé. Dalpé à Dion. Dion lancé, pas contrôlé par Laferrière, mais ça s'en va en arrière du but. Lancé de McElvey, arrêté par Samson en avant du but. McElvey tente une passe et une passe avec la main contre les Cougars de Lennoxville. Alors, mise en jeu en zone neutre, Nicolas Jean qui affrontait le numéro 21. De Lennoxville. Alors, c'est Desbiens qui remet vers Jean. Alors, Clément qui retourne en rondelle vers Lanoux. Véronneau frappé par Couture. Hébert dans son territoire vers Méthode qui échappe à rondelle.
C'est Clément. Clément lance à côté du but. Lanou. Rondelle. Couture. Qui tentait de récupérer. C'est raté. Tremblay. Vers le défenseur Laroche. Qui retourne vers Lanou. 11 minutes à faire en la troisième période. Partie très serrée présentement entre les deux équipes. Peu d'espace, encore une fois, comme je disais, en première période. La marge d'erreur n'est pas grande. Alors, Clément, dans le lancer, ça va à côté du gardien de but. La Ferrière. Couture fait rouler la rondelle. Vardé bien, c'est raté. Alors, on a deux joueurs présentement tout seul avant de la Ferrière. On est fatigué du côté des Lions. On doit effectuer les changements qui sont réussis pour les deux équipes. Alors, O'Connell à Chabot. Chabot à retourne à O'Connell. O'Connell lance lancé faible à côté du but. O'Connell récupère. Et les Cougars de Knoxville tentent une passe. En fait, ça deviendra un dégagement refusé. Au Cougar. Alors, Mathis Lapointe dans la mise en jeu. Il gagne la mise en jeu. Vézina qui renvoie en arrière du but. O'Connell vers Lapointe. Chabot à Vézina. Lance à côté du but. O'Connell à Chabot. Chabot vers Vézina. Lancé dangereux. Bel arrêt de Simonuk. Et les Cougars de Lennoxville qui dégagent moins de 10 minutes à faire en cette troisième période. Bolduc. Tentait une passe vers son coéquipier Mathis Lapointe. C'est intercepté par Dalpé. Vraiment, on se bataille pour la rondelle. Granger qui sort avec la rondelle. Granger lance. Bel arrêt. Deux lancers de Granger. Un troisième lancé pour Lennoxville, coup sur coup. Alors, Dalpé qui envoie, tentait de récupérer cette passe et c'est raté. Mathis Lapointe qui est frappé solidement par Pelletier qui semble sonner. Croteau. Tenté de lancer, c'est à côté du but. Alors, Dumont vers Beauchemin. Beauchemin en arrière du but qui se fait trébucher par Dion. Et il y aura pénalité au coureur de Lennoxville. Alors, ce sera Émile Dion. Élie Dion, pardon, qui sera pénalisé pour avoir fait trébucher Beauchemin. Alors, avantage numérique, le deuxième avantage numérique pour les Lions ce soir, cet après-midi, pardon. Qui se bat avec la rondelle vraiment. Desbiens qui vient l'aider. Bello. À Mongeon. Mongeon. À Bolduc. Bolduc qui envoie en arrière du but. Mongeon. À Bello. À Bolduc. Bolduc lance. Ça touche le bâton de Delille et ça débite vers le plafond. Alors, nous allons reprendre du côté droit
du gardien de but de Lennoxville. Croteau gagne la mise en jeu. C'est Chabot à Croteau. Lance, bel arrêt. Deuxième but! Mathis Croteau! Assisté de Benjamin Chabot. 4-2 sur le 20e lancé. 21e lancé, pardon. Des Lions ce soir, cet après-midi. Alors, mise en jeu, on reprend. La pointe qui est de retour, c'est bon signe. Couture. Envoie la rondelle et je crois que ça a touché un joueur. Ça a touché le banc de Lennoxville. Alors, nous allons reprendre en zone neutre, mais du côté des Lions. Alors, 7 minutes 50 à faire. Tremblay lance à côté du but. Hébert vers la pointe avec la rondelle. La pointe lance, bel arrêt. Lennoxville qui récupère la rondelle. Véronneau tentait une entrée de zone. C'est Lanou qui vient l'aider. Lanou qui a Jérémy Couture à sa poursuite. Chabot. Chabot patine, renvoie vers Bello. Bello avec la rondelle. Bello lance dans le casque du gardien but Simonuk. Chabot qui est frappé solidement par un adversaire et il y aura une pénalité. Descendait au Lion. Je crois que ça va être pour obstruction sur la gardienne but. Alors, la pénalité à Mathis Croteau pour obstruction sur la gardienne but. À sa défense, il était en perte d'équilibre, alors il n'a pu se retenir. Alors, Croteau est pénalisé. Ce sera un troisième avantage numérique. Quatrième avantage numérique, pardon. Pour Lennoxville. Alors, McElvey. McElvey qui remet vers Dion. Alors, c'était Méthode qui dégage la rondelle en arrière du but de Lennoxville. Dion prend de la vitesse. Dion perd la rondelle car Vizina a touché avec son bâton. Méthode qui en fait, contre les Lions qui font un changement, je croyais qu'il était Nicolas Jean était pour prendre de la vitesse pour essayer de récupérer la rondelle, mais sagement. Franchement, McElvey tente de déborder les défenseurs. C'est raté, c'est Beauchemin qui récupère. Beauchemin avec Desbiens, tente une passe, c'est raté. Apparemment, c'est Clément avec la rondelle. Clément vers McElvey. McElvey remet vers Tremblay. Tremblay lance à côté du but. Beauchemin tente de récupérer. Clément fait une passe de son coup de pied, c'est raté. Mongeon qui dégage la rondelle et les Lions qui vont effectuer des changements ainsi que les Cougars. Alors on s'installe, la pointe qui tente d'enlever la rondelle au joueur de Lennoxville qui était tremblé. La pointe contre Plouffe qui réussit à le nuire au corner. Corner avec et nuit. Il y avait
Un accrocheur là-dessus, mais il n'est pas appelé. Alors, Verano laisse en arrière à son coéquipier. Plouf. Vers Lanoux. Lanoux tente d'envoyer vers son coéquipier et un dégagement en zone neutre pour les Lions. 5 secondes à faire à la pénalité à Croteau. 4 minutes 55 à faire à la période. Et on réussit à tuer cette pénalité pour les Lions. On joue une très bonne partie là, en désavantage numérique présentement. Alors, Samson vers Chabot. Chabot vers Bello. Bello lance. Oh, et le gardien regarde en arrière de lui. On croyait du côté des Lions que c'était rentré, mais ce n'est pas le cas. L'arbitre était à la bonne place et signifie que la rondelle n'a pas rentré. Alors, Lennoxville qui font un dégagement et c'est un dégagement refusé. On va surveiller le gardien de but. Si la rondelle sera sortie, si le gardien va sortir. D'après moi, oui, on va tout essayer du côté de Lennoxville. Alors, mise en jeu du côté droite. Du côté gauche, pardon. Bello. Tente une passe à Croteau. C'est intercepté en avant par Tremblay. Vers Granger. À Couture. Couture qui envoie en arrière. Tremblay. Poursuivi par Bello. Tremblay toujours avec la rondelle. Tremblay regarde ses options. Patine. Envoie à Cronwall qui tente une passe vers Tremblay. Croteau vers Hébert. Ne peut accepter cette passe. Et on sort la rondelle. C'est Larouche qui tente d'envoyer en arrière du gardien but. Mais ça touche le plafond de l'aréna. 3 minutes 41 à faire. 28-24 les lancés. Alors, mise en jeu, gagnée par Lennoxville. Michael V. tente une passe ratée. Et ça sent un dégagement refusé. Mise en jeu gagnée par Lennoxville. Michael V. A une passe vers son coéquipier Picard. Jean à Dumont. Vizina qui récupère. Qui envoie dans le territoire de Lennoxville. Dion frappé par O'Connell. Et ça touche, en fait, on tente une passe et ça touche un adversaire. Et ça va sur le mur extérieur de l'aréna. Alors, c'est Desbiens qui tente une passe. C'est récupéré par Lapointe. Tremblay en arrière de son but. Tremblay regarde les options. Tremblay avec la rondelle renvoie à son coéquipier Roberge qui est frappé par Beauchemin. Et
Ce sera un dégagement refusé. Alors, mise en jeu du côté gauche, Mathis Croteau. Contre le numéro 21, Benjamin Clément. Alors, beau chemin. Belle intervention, beau chemin. Tentait de récupérer rondelle. Il se fait frapper en même temps. Alors, c'est l'entrée de zone de Lennoxville en notre but. C'est un peu commode et la Ferrière décide de maîtriser le disque. Alors, 1 minute 52 à faire dans la troisième période. 28-24 les lancés. On a sorti le gardien de but du côté de Lennoxville. Voyons voir ce que ça va donner. Si rien ne change. La pointe contre William Picard. Mongeon envoie vers O'Connell qui réussit une sortie. Chabot poursuivait Tremblay. Lennoxville récupère. Alors c'est Picard tente d'entrer à rondelle. La pointe, totalement, ça touche le mur de l'aréna. Alors nous allons reprendre du côté. À côté de Thomas Laferrière, 1 minute 34 à faire. Encore une fois, Mathis Lapointe contre William Picard. Mise en jeu importante, gagnée par William Picard. Clément pousse en arrière du but. Bolduc qui est avec lui présentement. Tremblay qui récupère. Alors, Lennoxville contrôle le jeu vraiment. Clément vers son capitaine. La nous lance à côté du but. La rondelle bouge en avant du gardien de but. Tremblay lance. Peu commode pour la Ferrière, mais ça passe à côté du but. Alors, Clément peut danser. La pointe qui retourne à Chabot. Chabot tout seul et met la rondelle dans un filet désert. Eh oui! Benji Chabot qui marque un but facile, qui rajoute un point à sa fiche, qui est présentement rendu je vous dis ça dans quelques instants, j'ouvre mes notes, je vous dis ça. Alors, Benjamin Chabot qui est rendu à son 9e but de la saison. Alors, 25 secondes à faire à la rencontre. Thank you.
Alors, on se bataille dans le coin. Granger, Hébert, Dumont, tente une sortie. Alors, on se bataille vraiment d'Alpé avec Hébert. Et là, ça chamaille vraiment. Alors, victoire! Victoire des Lions! Alors, on n'était pas content du côté des Lions. D'Alpé qui a des choses à dire. Alors, très belle victoire. On continue sur notre belle lancée du côté des Lions. Sept matchs de fin de semaine. On remporte cette victoire. Alors, nous allons avoir les trois étoiles dans quelques instants. Une présentation de Physiothérapie Saint-Louis. Alors, nous attendons les trois étoiles qui seront annoncées dans quelques instants. Alors, la troisième étoile, Cedric O'Connell, avec un but, très belle performance physique avec de la bonne vitesse. Et la première étoile, de la deuxième étoile, au numéro 16 des Cougars de Knoxville, Christopher McKelvey. Et la première étoile, au Lion, au numéro 25, Mathis Lapointe. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Belle victoire de 5-2 pour les Lions de Saint-Laurent. On se voit demain pour la partie hors concours contre l'Université des